Louvain.usc. Et c'est parti donc pour cette première épreuve, le prix en sprint, alors qu'on a tout de suite pris les voies en avantage avec l'Acewood Patriot qui s'est dans le pas du corps avec Charles de Tarragon, alors qu'on vient en seconde position avec le numéro 7, c'est Rose Day Black Lily qui vient tout de suite dans le sillage du poney de tête. Corinne Steinler de Kazakh Poche est en troisième position un petit peu plus loin. On retrouve Annabelle également, alors qu'à l'arrière-garde on retrouve Bagheda du Bois Doré, le poney gris qui ferme la marche du club. On va très vite dans cette épreuve en tête avec des Foot Patriot qui a toujours l'avantage alors que Black Lily vient en seconde position. Nette distance, nous retrouvons maintenant Cohen Steiner qui est en compagnie d'Annabelle qui n'est pas loin. C'est Bagheda du Bois Doré qui ferme la marche du peloton. Les concurrents qui vont aborder maintenant le tournant, enfin la diagonale de la fausse ligne droite avec toujours les Foot Patriot qui emmènent le peloton et ceci depuis le début des épreuves alors qu'ils vont maintenant aborder la dernière ligne droite. Il va rester 350 mètres à parcourir avec à l'extérieur les Foot Patriot, Charles de Tarragon à l'extérieur devant Black Lee qui est plus que des cordes et qui tente de venir. On termine bien avec Corinne Steiner également pour les places, mais en pleine piste on a pris l'avantage maintenant avec Rosedale Black Lily qui va s'imposer facilement. Les Foot Patriot est deuxième, la troisième place revient à Corinne Steiner. Alors de devant Black Annabelle, le numéro 6 qui terminera quatrième.